Bonjour, soutenez-nous sur Tipeee, car sinon, nous allons être obligés de restreindre nos diffusions. Merci. J'aimerais vous emmener en Amazonie brésilienne. Et là, pour ce premier épisode en Amazonie, j'aimerais vous emmener à Manaus, la capitale de l'Amazonie brésilienne. En remontant le fleuve, je tombe sur un monastère qui a été abandonné. Il a été dévoré par la forêt tropicale. Quand on est sur une rive de l'Amazone, on ne voit pas l'autre côté. Impossible de voir l'autre côté. C'est comme si on était au bord d'un océan ou d'une mer Méditerranée. Et donc, pour vous donner une idée de ce fleuve, j'ai pris un hydravion et j'ai survolé en particulier l'arrivée de la rivière Noire dans le fleuve Amazone. Figurez-vous que la rivière Noire ne se mélange pas à l'Amazone pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres. Ces eaux chargées de limon et de terre ne se mélangent pas.
Cobocos, descendants des colons portugais et des Amérindiens, vivent sur les berges de l'Amazone. Eita, e aí, rapaz? Pô, agora não tá ali pra dentro. Então. Tá doente, tá com uma coisa aí, passa direto, não encosta lá. Eu não vou tomar remédio na dor, eu vou me dar remédio, eu vou tomar remédio. Olha o cachorro, olha o cachorro. Essa vez mais isso. Ah! Não sabia que existia isso. Nem eu. Mais alors, tous ces Amérindiens qui vivent sur les berges, donc, de l'Amazone, qu'est-ce qu'ils font? Avant tout, ils pêchent. Mais alors, attention, attention, les piranhas sont encore là. Donc, attention, quand on met une main dans l'eau, de ne pas se faire dévorer. Bom apetite.
Vai na carroça. Thank you.
ali. Dans la seconde moitié du 19e siècle, poussé par le développement de l'automobile, Manao se lance dans la récolte du latex, matériau de base à la fabrication du caoutchouc. L'ascension est fulgurante, les capitaux venus d'Europe affluent et la ville se développe à un rythme frénétique. On donne à Manaus le titre de Petit Paris des Tropiques. Les plus aisés des habitants y vivent dans un luxe complètement tapageur. Alors on les nomme les barons du caoutchouc. L'un d'eux va construire à Manaus un théâtre. Un théâtre qui sera la copie d'ailleurs de l'Opéra Garnier de Paris. On y fera venir des troupes régulièrement d'Europe. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce premier épisode. Soutenez-nous sur Tipeee, car sinon, nous allons être obligés de restreindre nos diffusions. Merci.